Bonjour et bienvenue sur Booster la chaîne, ici Shadow. Et Marek, toujours. Et surtout toujours en compagnie de la grenin, hein. ça ne change pas. Mais il y a une bonne raison à cela. Oui, il y a une bonne raison à cela, vu qu'on va ouvrir des boosters Pokémon, mais pas n'importe lesquels. On va ouvrir les tripacks qui sont à thème Soleil et Lune 2. Donc, je peux les mettre là. Absolument. Comme ça, je ferai une super miniature. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir, hein, comme voilà, ça, t'auras ta miniature. Nickel. Donc, d'un côté Lucanon, de l'autre côté Boumata. Donc, j'ai décidé qu'on allait le faire en duel. Donc, on va s'ouvrir chacun 3 boosters. On va commencer bien sûr par notre unique Soleil et Lune chacun, et puis ensuite on enchaînera sur la nouvelle série. Donc bah écoute... Alors moi je te propose, par la magie du montage, de couper l'ouverture. Vas-y, fais ça. Et donc voilà, c'est ouvert, on vous a zappé les innombrables morceaux de scotch. Ah oui, c'est vrai que là pour le coup en plus il y en avait beaucoup, donc c'est assez énervant. Et donc vous pouvez voir, je pense qu'on peut les montrer rapidement... Donc la carte de Lucanon. Le pack Lucanon, ouais, c'est ça. Avec la carte qui tombe. Décidément, et Boumata. Alors par contre, tu remarqueras qu'il n'y a pas cet effet haut en fait sur la carte. Là, c'est le vieil. Au niveau du foil, tu vois. Oui, exactement, le vieux foil classique avec les petits points en fait. Oui, bah, comme il faisait au tout début d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, absolument. Mais c'est juste que j'aurais préféré que ça reste dans le thème en fait avec. Après, c'était spécifique à ces cartes promotionnelles. Possible en effet. Et donc voici le jeton. On en a un pour chaque. Comme vous pouvez le voir juste ici, on en a un pour chaque tripack, bien sûr. Ouais, qui sont donc, plutôt cool. Bah oui, puisque t'es fan de Metalos, donc absolument. Forcément. On va les mettre au-dessus, les cartes, là-bas. Ouais, et puis on va. Dans l'idée, là, on commence par le Soleil et Lune classique, sûr, c'est absolument. Ça absolument. Ah, je vais te laisser commencer pour le coup. On fait ça chacun son tour. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah c'est parti. Je commence avec. Oratoria. J'ai toujours du mal avec ce Pokémon. T'as pas besoin de conserver les paquets. Non, vas-y, j'ai déjà ce qu'il faut. Je dis ça et je l'ouvre nickel, tu vois. C'est la première fois en 25 ans pour un booster Pokémon nickel. C'est ça. Hop, tiens. Donc si tu peux me piocher un petit Archeluk GX. Donc c'est 3 de toujours. Hein. Exact. Non, c'est pas 4. Il y a pas la fameuse carte... Alors, il doit y avoir une énergie, mais vas-y, fais 4, on verra je bien. Fais 4-2 alors. Ouais, fais 4-2. Parce qu'il y a la fameuse énergie, il me semble, qui est toujours à l'arrière. Ouais, d'ailleurs, il faudra qu'on vérifie, on ouvrira notre premier Soleil et Lune gardien ascendant classiquement. Ouais, pour vérifier le tri. Voilà, parce qu'il y a pas de... Il y a peut-être une énergie, en fait, dedans aussi. D'accord, bon, on verra bien, alors. Mm-hmm. Donc, on commence avec Makuhita. Donc, on rappelle que c'est un... Oh, ça fait plaisir de revoir des cartes d'Alola. Ouais. On rappelle que c'est un duel, donc j'espère piocher quelque chose mieux que toi. Pas très français, mais... Bah dans tous les cas, on y gagne tous les deux, puisque toutes les cartes qu'on pioche, elles sont pour moi, mais toi, tu gagnes le petit jeton Metalos. C'est ça. Donc on a l'énergie ici. Donc effectivement, on a bien eu l'énergie comme on pouvait s'en douter. L'Hyperball, Scarabrut. Qui est toujours un artwork très joli, je trouve. Sbire de la Team Skull, c'est bien celle-ci qui a une version Full Art. Hein, oui, qui a une version Full Art plutôt jolie, apparemment, en plus. Et donc là, on arrive sur la Reverse. Et on aura le droit à une commune, ce sera un petit crabagard. Je sais plus du tout si je l'ai, je t'avoue. Donc rien de foufou pour l'instant. Et derrière, on aura le droit à un magnifique arcanin. Holographique. Excusez-moi, holographique. Et si mes souvenirs sont bons, en plus, je ne l'ai pas en version française, donc c'est parfait. Hein. Donc c'est plutôt cool et je suis très content d'avoir pioché cet arcanin que je trouve juste magnifique. Oui, c'est un Pokémon. Enfin, je me souviens que tu nous parlais de la première carte. Ouais. Arcanin à l'époque. Mais celui-ci est plutôt réussi, je trouve. Il a un côté très estampe en fait. Alors vas-tu faire mieux qu'une holographique? On verra bien. Moi je préférerais faire mieux dans Soleil et Lune 2, mais si je peux avoir une GX de Archeluk, je ne dirais pas non encore une fois. Tu m'étonnes. Donc dans le thème, l'Arvibule. Archeluk qui n'est pas du tout présent dans... Alors si, mais je t'expliquerai après. D'accord. Parce qu'on le piochera peut-être, ça se trouve. Brindibou. Bah, tu peux expliquer maintenant peut-être. Soporifique. Non, bah justement, non. Au cas où. Fleblobol. Bah, on aura eu. Et Flèche. Il y a Brindibou et Flèche, ouais, oui. C'est bon signe ça. J'espère. Oh, Persian, il est cool. Ouais, la carte est jolie. Hein. Repousse. J'ai beaucoup des. Est-ce que ça repousse Archeduc GX? On verra bien. Très probablement. Bon. Après, par contre, je remarque qu'elles ont l'air beaucoup plus centrées que les cartes qu'on avait jusqu'à présent en Soleil et Lune. C'est vrai que récemment, on a eu des boosters très. Ouais, mais c'est pas nous, c'est genre tout le monde en fait. Bah, j'imagine bien. Oui. C'est là vraiment, apparemment, c'était pas du tout spécifique à assez peu de boîtes, c'était vraiment quelque chose de généralisé, malheureusement. Donc, on va dire que là pour l'instant, c'est 1-0 pour moi. C'est 1-0 pour toi, oui, absolument. C'est un petit 1-0. C'est un petit 1, je te l'accorde, mais c'est un 1 quand même. Donc, je te laisse ouvrir, tu choisis le booster que tu veux parmi tes gardiens. J'ai commencé à ouvrir le tout premier booster Soleil et Lune, gardien ascendant. Avec un super. Un Fenard. Alola. J'allais dire Shiny, mais. Enfin, oui, il brille quoi, mais c'est genre. Oui, non, le Shiny est un petit peu plus sombre quand même. Donc, ces fameux boosters, donc on se demandait, est-ce que c'est marqué combien
combien, quels sont les ratios? Ah oui, je crois que c'est là. Il n'y a pas la quantité. Non, c'est pas marqué. Hein. Donc c'est pas marqué. Parce que tu faisais remarquer que certains boosters étaient buggés, en fait, c'est ça? Ouais, après on verra dans la vidéo. Dans la vidéo qui suivra, on va dire. C'est ça. On va pas dire ce que c'est. Bon, allez, c'est parti. Même si la plupart des personnes sont sûrement. Et il s'ouvre super bien. Ouais, c'est cool, ça veut dire que je vais pouvoir garder le. Donc celui-ci, on a dit qu'on l'ouvrait sans faire de tricks, s'il te plaît. Ouais. De tricks pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc on a le code, encore une fois, que tu souhaites conserver. Absolument. On nous avait déjà posé la question. Et donc c'est parti. Ah, il est adorable. Il est vraiment très très beau. Donc toute première carte, ce sera un petit passereau rouge. Un funicier. Pas confondre avec un poisson rouge. Même s'il ressemble, hein, j'ai envie de dire, il a quand même des airs. Donc un petit funicier qui est très sobre au niveau d'illustration. Elle a une holographique très jolie d'ailleurs en. Ah oui. En lugularbre. Ce côté-là, on l'avait pas déjà vu cette version pâte à modeler. Non, il me semble pas. Après, si on l'a vu dans le sens pâte à modeler, ce sera sûrement dans Impact des Destins, puisqu'il me semble qu'il y avait la ligne évolutive dans cette série. D'accord, très bien. Point d'espiègle, qu'on voit souvent, j'ai l'impression. Oui, ça a l'air d'être un favori, il semblerait. Ah, c'est vraiment très très beau. Ouais, hein. C'est vraiment top ça, Goopix d'Alola. Et tu remarqueras encore une fois, comme sur la première série, qu'il y a des attaques qui ne nécessitent aucune énergie. Des attaques gratuites, ouais. Donc on a Nirondelle, d'accord, au stade de la Reverse. La partie importante viendra après, mais vas-y. Je suppose que la grosse est juste derrière. Ouais, ouais, absolument. On aura le droit pour ce premier booster. Alors Solgaleo, donc il faut que tu m'expliques là, parce que... Non, holographique, c'est normal, c'était aussi le cas dans le set à la base, ouais. Sur le Japon. Il faut savoir en fait que c'était une carte qui appartenait à Sun and Moon One Plus, donc le set d'extension de la première ouais. De la première extension en fait. Ils ont choisi de mettre dans la seconde du coup. Voilà, en fait toutes les cartes de l'extension 1 Plus se situent dans notre Gardien Ascendant. D'accord. C'est pour ça entre autres qu'on retrouvera Lucanon en GX ainsi que ses variantes bien sûr. Et donc c'est les cartes qu'ils ont choisies pour faire les holographiques dans les decks, mais de base elles n'étaient pas holographiques vu que toutes les cartes de 1 Plus étaient reverse foil en fait. D'accord. Donc voilà, c'était pour préciser. C'est un peu space d'avoir du coup un Solgaleo, mais en mode tout. Ouais, après on a déjà eu la GX classique, donc ça me dérange pas plus que ça. Il a l'air tout à l'étroit dans sa petite illustration. Ouais, même si je trouve l'illustration très jolie personnellement. Donc ce sera tout pour Mara. C'est à ce moment-là qu'on va compter. Donc on a effectivement les 3 Unko qui suivent. Et donc on aura bien l'énergie. Derrière, et on a bien. Donc c'est bien 4 de. L'énergie, c'est bien ça, c'est le même trix. Je mets ça là. Donc on aura une Vorastery. Qui a le droit à sa GX d'ailleurs. Ça, c'est en top, tant que prédastérie. Moi, je suis pas spécialement fan, mais... Moi, je l'aime. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup, en fait. Donc, d'accord. J'aime moins l'évolution. Hein. J'aime bien les deux persos. Mamambo. Ouais, ça, c'est tout de suite un petit peu moins sympathique. C'est hein. Clair. Et on aura le droit à un Maillet amélioré. Qui apparemment est une carte que les gens aiment beaucoup jouer, d'après ce que j'ai compris. Si t'en chopes des rivers, ça pourra peut-être être de la monnaie d'échange. Je garde celui-ci pour la ouais, fin. On finira. Comme ça, on fera un duel des Kaiser. C'est Kaiser, voilà. Alors, c'est de base, c'est Bébé Kai et Kaïd et Kaiser. C'est ça. Le mien s'ouvre pas très bien, il a une petite déchirure, mais c'est vrai que la colle est faite de manière à ce que... Excusez-moi, je l'ai ouvert partiellement. Ça a l'air d'être plus solide ou de s'ouvrir mieux dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait plaisir parce que ça veut dire qu'on pourra ouvrir nos boosters plus facilement, ce qui fait que ça prendra moins de temps en vidéo. Et ça, c'est vrai. Donc Scorplane qui est très sympa, je me souviens plus du tout s'il y a un Scorvol, logiquement oui. Tu as mis les cartes là, très bien. Oui, j'ai mis ça. Ah, ça c'est Scorbébé. Cool. Moi j'aime pas trop les niveautifs, mais l'artwork est très joli, j'aime beaucoup. Ouais. Petit boudet, je pense que absolument 99% des gens s'en battent les noix. C'est ça. Oh, il est très cool. C'est donc, alors, il est super cool. J'allais dire que non, c'est dans le 2+ au Japon qui a les. Son évolution. Qui a la GX en fait de son évolution. On D'accord. a une normale, mais la GX elle apparaît que dans le plus. Nous nous ressons. J'ai vu qu'il allait avoir une boîte chelours, hein. Enfin un coffret chelours. Hein. Ah, c'est possible, je suis pas du tout au courant là pour donc, le coup. Donc, hein. Mais apparemment il est qu'en anglais actuellement, je sais pas s'il sortira en France. Hein. On verra. Oh, il est magnifique. Très hein. Très beau. Je ne me souvenais pas du tout qu'il y avait un truc. Et c'est Nunko, c'est... Ouais. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas grave, au contraire, ça veut dire qu'on pourra la placer. Ça veut dire que je pourrais l'avoir pour ça, mais bon. Il est vraiment très beau cette artwork. En rare, ça m'aurait plus hypé, quoi. Mais elle est super jolie en tout cas. Oh, bah, oh. Une rare reverse, justement. Là, donc ça me fait un point aussi. Voilà, ça te fait un point. Et on n'a pas encore vu qu'il y avait derrière. Un Plumeline en forme. Alors. En ça, forme. C'est la forme de la quatrième île, mais je me souviens plus du tout comment elle s'appelle. C'est pas Geisha, je sais, mais. Elle est plutôt jolie en tout cas. Elle est très belle, mais. Il y a 4 plumines quoi dans le set donc. C'est chaud à trouver quoi. Dans tous les cas, tu marques un point pour ce second donc booster, on est à égalité. On est à égalité. Ouais. Ce sera le booster décisif. Même si sera... pour le moment, c'est pas trop la joie. Hein. C'est pas trop la joie pour l'instant. Aucune GX ou mieux donc. On a une holographie quand même. Ouais. Ouais, mais enfin. Sur 6 boosters, je m'attendais un petit peu à mieux. Enfin, 4 pour le moment donc. C'est pas grave, j'en ai un aussi donc fais-toi plaisir.
Ok, je vais peut-être essayer de l'ouvrir en caméra pour le moment. Je le défonce. Je vais essayer en tous les cas. Y a pas de code dans ce booster. Attends, je peux ? On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc oui, ils ont bel et bien oublié le code. Et voilà, c'est une des choses dont je te parlais justement. Des boosters un peu buggy. Des boosters qui sont problématiques. Donc 4 et 2, d'accord. C'est un peu space, mais... Ouais, ça m'embête un peu, je t'avouerai quand même. Parce que bon, mon booster, je le paye à 100%, quoi, si possible. Mm-hmm. Donc j'aime bien l'avoir à 100%. Donc si vous aussi, vous voyez des boosters où il manque des cartes, des codes, par exemple, n'hésitez pas. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez comme problème sur vos boosters. Parce que vous avez vu, comme je vous ai cité plusieurs problèmes différents... Enfin, on ouvre des doubles jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, elles sont même rangées dans le même ordre, non ? Ouais, on va avoir exactement le même booster. Ah non, énergie. Mais on remarque ça aussi dans les boosters magiques, quand on en ouvre en grande quantité, on se rend compte que que les communes, en tout cas, souvent sont mappées de la même manière, et des fois on tombe sur deux boosters sur complètement identiques, c'est assez flippant. C'était dans lequel ? C'était dans Best of XY, enfin, XNY. En japonais, il y a en gros, les boosters sont mappés complètement, quoi. D'accord. Et c'est super impressionnant à voir quand tu regardes un display complet. Vas-y, je te laisse. Donc là j'ai ouvert un sort boule qui est très abîmé sur le côté là visiblement. Ouais, et puis il est totalement décalé en plus. Hein. Et mais il s'est fait découper un peu à la truelle comme tu dis. Après c'est pas trop grave si c'est. Bah si c'est qu'une onco, c'est pas grave, mais si c'est qu'une seule effectivement. En tout cas il est très sympathique. L'artwork est joli, ouais. On a. Oh, qui est complètement découpé à la truelle. Ouais aussi, ouais, elle a des petits défauts aussi. Donc ça c'est un fortifiant aquatique, d'accord, en deuxième unco. C'est le booster de la tristesse. C'est un peu ça, ouais. Donc on aura bien eu trois unco dans celle-ci, elle est propre. Dans ce booster là, et celle-ci est propre, ouais. C'est un peu space. Donc là au slot de la reverse, on aura droit en toute logique à une rare reverse. Très belle. Comme ça, très, moi, très belle, marque des points. Tu reprends la main. C'est ça, Fragilédie qui est très sympathique. Elle est vraiment jolie et je pense que le reverse aide beaucoup. Rappelle-moi, c'est 4 ou 5G ça? 5G, oui. Normalement. 5G ? Je te dirais bien que c'est 5G. Bah, numéro 549, ça m'a l'air d'être ça. T'es en train de me faire douter. Bon, c'est pas très grave. Non, 4G, c'est 493, donc... C'est pas très grave. 493. Mais ouais, ça, a priori, c'est une 5G. Et donc, ça, c'était pour la rare reverse. Ouais. Et donc, derrière, bien entendu, on va avoir un gros truc de malade. C'est-à-dire... Une holographique. Oh, un golem d'Alola. Et un golem d'Alola. Ça, c'est cool. Que je trouve dégueulasse en tant que Pokémon, mais cette carte-là rend plutôt bien pour moi. Ouais, le Pokémon n'est pas génial, et surtout qu'en plus, c'est dommage, dans la mesure où le golem de base est super cool. Pourquoi ils ont fait des moustaches et du poil sur le torse, quoi. Ça n'a aucun sens. Ouais, hein. Et puis même outre ça, j'aime pas la manière dont il a été dessiné au niveau des membres et tout. Je suis pas fan du tout. C'est pas. Donc bon, là, alors, j'ai quand même une cool petite rare reverse et une petite holographique. Non, mais c'est surtout cool en fait d'avoir pioché plus de choses en fait. Oui, bah oui, bien sûr. Parce donc que là, dans mon tripack, en tout, j'ai eu... Est-ce que tu as un code, là ? Oui, j'ai eu un code. Donc là, dans mon booster, j'ai quand même eu en tout deux holos et une rare reverse. Donc ça me paraît plutôt correct, ouais, même s'il n'y a c'est pas bien, une même si c'est fini pour toi. Ouais, par contre, je crois que toi... Ouais, c'est fini, j'ai gagné. C'est pas fini, je pense que t'as gagné. Ouais. Barloche. Oh, avec un mimique. J'adore l'artwork, il est magnifique. Ouais. Et d'ailleurs, je suis en train de me... Oh, pardon, excusez-moi. Par contre, c'est dommage parce que la caméra prend la couleur pas du tout correctement. Bah, c'est tes lumières, mais j'étais en train de me dire que le vert est un peu fade. Mais regarde, sur Fragilédi, c'est plus vert, non, c'est ça. Mais en même temps, ça aide qui est le symbole de la plante. Mais je pense que c'est les lumières qui sont un peu chaudes là et qui. Mais par contre, le. Et qui bouffent un petit peu le vert. Hein. J'aime vraiment, vraiment beaucoup l'artwork. Hein. Et donc, je pense que tu sais, c'est sur la. Deuxième ou troisième île ? Deuxième île, il me semble qu'on trouve des Brocellum à la fin de l'île. Ouais, c'est possible. Et ça ressemble beaucoup à l'endroit, justement. Et Mimiki, c'est une sorte de mascotte, du coup, pour l'extension ? Pas forcément, non. Il me semble même pas qu'il y ait une carte Mimiki. D'accord. Machoc qui est très bizarre. Il est top, je trouve. Il est assez bizarre, je trouve, avec l'épaule qui lui écrase la joue. On a encore un Machoc, quoi. Mais... Passe rouge. Ouais, mais alors après, Non, c'est dans le 2+, qu'il y a un Maconeur en GX. Mm-hmm. Goupix. Et mais du coup, je suis en train de me dire, avec les cartes qui manquent et tout, c'est impossible de peser un booster pour savoir s'il est... Ouais, mais c'est déjà impossible de base maintenant. Hein. D'accord. Une énergie qui est un petit peu décalée, c'est assez dommage parce qu'elle a vraiment un bel artwork, je trouve. En fait, tu vas sûrement en avoir d'autres. Nettoyage de terrain. Bandeau choix. Ah, c'est top, ça. Métang. C'est la première carte de la ligne évolutive. Ah oui, tu m'avais dit qu'il y avait un Metalos dedans. GX. En plus, oh là là. Rare reverse, ça va. Garyland. On se met bien, même si elle est pourrie, quoi. Oh. Faux sardine GX, donc. J'aime pas du tout faux sardine de base. Oh, hein. La forme banc est cool quand même, non ? Bah, moi, ce que j'aime pas, c'est que tu vois pas les poissons. C'est supposé être des poissons qui s'assemblent. Ouais, pour faire après. On dirait un vieux assemblage de pâte à modeler. Ouais, je sais pas. Je pense qu'ils ont fait exprès de
Ils ont simplifié le modèle, quoi. C'est un petit peu. Tu vois, genre Magneton, ça se voit que ces trois magnétiques sont collés, tu vois, il n'y a pas de. Ouais, après, c'était un peu plus compliqué, là, quand même. Hein. Je suis d'accord, mais du coup, c'est un peu dommage. Mais GX Rare River, je pense que tu marques le point. Ouais. Sans problème. Et elle est plutôt sympa. Elle rend sympa. J'aime pas Faux Sardine, mais là, sur cette carte-là, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Et l'artwork de la GX Full Art est plutôt sympa aussi, d'ailleurs. Ah oui, il est vraiment très cool, il est plus dynamique que celui-ci. Ils ont fait une full art et tout, quoi. Bah oui, mais normal, comme toutes les GX. Est-ce que ce Pokémon le mérite réellement? Ça, c'est à vous de nous le dire, c'est pas à toi. C'est ça. Mais j'ai revenu mon avis, quand même. Non. Bon, d'accord, je me tais. Bon, quoi qu'il en soit, ça va, c'était correct pour les trimacs. C'est très sympa. Mais en même temps, j'ai été un petit peu, gâté par les tripacks de la Soleil et Lune 1. J'avais pioché en tout dans le tripack, j'avais eu 3 GX en 2 tripacks. Donc, c'était assez violent. C'était violent. Mais c'est des tripacks très corrects. On rappellera quand même qu'on a tout de même Boumata et Lucanon. Ah, mais moi, de toute manière, la seule carte qui importait pour moi, c'était celle-ci. Hein. Je veux dire, l'artwork, je l'attendais depuis qu'il avait été montré au Japon et je suis super content de l'avoir vu. Même si je me tâte à me payer la carte japonaise quand même parce qu'il n'y a pas l'artwork avec l'effet d'eau comme j'expliquais. D'accord. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, c'était une découverte du set et on va passer à autre chose, à l'étape supérieure, on va dire. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Exactement. Allez. À plus.